Vai na boca, cocaína.
oui, tu nous sais, Emmanuel. Au milieu de son peuple, il est Emmanuel. La solution au mariage, c'est Emmanuel. La solution au problème, c'est Emmanuel. Le Dieu qui résout nos problèmes, c'est Emmanuel. Je vous loue, nous l'acclamons parce qu'il est Emmanuel. Ce matin, cher ami Saint-Esprit, nous allons nous asseoir sur les visites. Bien, ton voisin, toi qui viens en retard, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire. C'est très honnête, il y a un plus de l'eau à l'aise. Il y a un plus de l'eau à l'aise. Il y a toujours dit le culte, c'est l'intercession. The service is the intercession. C'est l'adoration. Worship. C'est le message. The message. C'est la louange. And the praise. C'est l'offrande. And the offerings. Et tu as fait le culte. And then you have planned your service. N'est pas là. If you have missed one of these days, tu n'as pas fait service. You have not done your service. Amen, mon peuple dans le désert, ils m'apporteront un culte. Ils n'auront pas ma vie. Tout cela fait partie du culte. All this is the service. La constitution du culte. All this is the service. Quelqu'un est venu ce matin. Is this morning? Aidez-nous pour que nous ayons des communications. Can we have the announcement, please? Ce samedi. This Saturday. C'est une grande rencontre pour toute la jeunesse. We have a great meeting of the youth. Encouragez vos enfants. You can encourage your children. Encouragez vos frères. Your brothers. Ça sera que le pasteur va être. 15h30. Ok. 15h30. From 3 p.m. Toute la jeunesse à 15h30. All the youth at 3 p.m. 3:30. Tell your neighbor 15:30. Tell your neighbor 3:30. Tu t'as dit 15:30. Then say 3:30. La suite. Ok. Je suis en Suisse pour le dimanche 1er avril. I will be in Switzerland on the 1st April. Dans cette grande conférence. In the great conference. Que ton règne vienne. May your kingdom come. Et nous croyons que le règne de Dieu viendra. And we believe that the kingdom come will come in the name of Jesus. Okay. Yes. On t'appellera plus marabout. They will no longer call you marabout. On t'appellera plus marabout. They will never, they will no longer call you marabout. Toutes les femmes de gloire. All the women of glory. Sont en retraite. We'll be in a retreat. Et comme vous savez que nous avons pris le château, donc que vous partez en retraite dans ces châteaux-là. And you have booked a house and villa. Merci de vous inscrire. You can subscribe to our sister Rosette. Et ça sera le moment extraordinaire avec Pasteur Rebecca. It will be a wonderful moment with Pasteur Rebecca. La suite. Next speech. Alan. À la leadership. Of leaders. Je crois que tout enfant de Dieu qui veut encore grandir. Every child of God that wants to be mature. Nous devons continuer à nous inscrire. We need to subscribe. Vous pouvez voir notre frère Mervey. You can see our brother Mervey. Vous savez que ça prend un caractère obligatoire pour tous les responsables de département. It's like a must for all those who are senior. Responsables de département, cela prend un caractère obligatoire. All the leaders of the department are responsible. Si Dieu tu veux grandir, il faut marcher avec des lions pour apprendre à les faire. But if you want to grow, you have to walk with lions to be like lions. Et ainsi tous nos programmes de la semaine. Our weekly programs. Nous informons l'église qu'on l'a informé mercredi que notre sœur Maman Déborah. Our sister Maman Déborah. Avait perdu sa mère. I've lost his. Je crois que vous avez reçu le numéro par SMS. I think you have got his number. Et la suite du programme sera communiquée, mais appelez. Avec le pleurer avec ceux qui pleurent. You can call her. Et prier avec elle. Quand nous reçoit pour nous. Nous inclinons nos têtes et nous prions pour notre Maman Déborah. We can bow our head and pray for Maman Déborah. Seigneur, nous prions pour nos sœurs, de ta protection, ta grâce. Et que tu les soutiens en ce moment difficile, perdre un membre de famille et particulièrement sa mère, Seigneur, cela n'est pas facile. Il n'y a pas d'âge pour perdre un parent. Merci pour le soutenir. Dans le nom de Dieu, nous avons assez prié. Amen. Et nous vous encourageons pour cela dans le nom du Saint-Esprit. Et je rappelle que c'est lundi. I will remind you that it's Monday or Monday. Nous voyons, c'est lundi. This Monday. C'est l'intercession spéciale qui est ouverte à tout le monde. It's a special intercession open to everyone. Don't miss this Monday. Moi, c'est que je comprends. What I don't understand. Nous avons des problèmes. We have problems. Mais la solution s'appelle Jésus. But the solution is Jesus. If I'm weak, I prefer to stay at home. Cela n'a pas été sentiré. But it will be worse. Si je bois l'alcool. If I drink alcohol. Quand je suis dans le bar, j'essaie d'oublier.
I will try to forget. Mais quand l'alcool va finir, but when the alcohol will be over, the problem will be still there. Mais quand nous passons du temps dans la prière, but when we spend time in prayer, c'est notre seul. It's the one, our only source. C'est consolation. It's our only comfort. It's our only support. Je préfère mourir dans sa présence. I prefer to die in His presence. Parce que c'est là où je trouve mon secours. Because it's where that I find my comfort. The support comes from the Lord. This morning, bring your children, bring your children. It's a time of prayer for our church. The devil is trying to discourage some people. Mais je t'annonce au nom de Jésus. But I'm telling you the name of Jesus. Tu ne mourras pas. You will not die. Je ne laisserai pas cet esprit de découragement. You will not be discouraged. Des fois que je suis sur internet. Even you who are following us on internet. Cet esprit de découragement est en train de sillonner les églises. This spirit of discouragement is everywhere. Mais le temps de Jésus. But the evangelist goes on et avance au nom de Jésus. Let's go forward. The name of Jesus. Can you stand for me? This man will be prayed. It's a wind of prayer. Avec le pasteur Rita, I will be there. Parce que c'est des moments importants. Because it's a very important moment. Pour la gloire de Dieu. For the glory of God. J'aimerais célébrer un de mes fils qui est là. I want to celebrate one of my sons. Dans le vigile, avec toi les coups de l'air. Dans le vigile, avec toi les coups de l'air. Bientôt 15 ans que je connais Julien. It's like 15 years that I know you. Pour la vision dire. We saw him growing. Dans notre église, Nancy. In our church in Nancy. C'est là où évolue l'évangéliste Julien. It's where evangelist Julien is working. La particularité de Julien. His speciality. Il peut être dans la rue lundi, mardi, mercredi, même s'il y a la pluie. He can be in the street the whole days of the week. Il doit parler de Jésus. Because he wants to speak about Jesus. Il aime ça. He loves it. Il est passionné de ça. He's passionné de ça. He loves it. Pour Jésus, lui, pour ça, c'est he can be insulted for Jesus, but he's happy for that. He's there for the whole week. They went out with this seminar. May God bless you. Pour leur communiquer cet amour-là. To communicate your that love. Et il m'a dit, je suis disponible encore pour cette semaine qui commence. He said that they are available for all this week. Et leur semaine, on va faire des sorties dans tous les lieux, les pays, voisins, pour parler. The show us will be out to preach the gospel. Jésus revient bientôt. Jesus is coming. Nous sommes obligés de sortir et de parler. We have to go out and preach the gospel. L'église est appelée à aller et ne pas rester dans les. The church is called to go and not stay in the home. Actually, I love it. Et si vous voulez rejoindre le CMR, if you want to go in the Pastor Rita, il vous dirigera où vous voulez. You can see Pastor Rita, I will lead you to the CMR. Ils ont peut-être des sorties chaque soir, chaque journée. Each week they will be going out to preach again. La notion sera sur la rue maintenant pour parler aux étudiants, pas seulement de l'alcool, mais de Jésus qui est guéri. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour des dons. Amen. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Je suis particulièrement heureux. I'm happy. Je le dis à la porte de glace. Viens, on va célébrer quand même ce que tu fais pour le Seigneur. Come, we want to celebrate what you are doing for the Lord. Il a resté content. He invests a lot of his time. His money. His energy. Et ça, je respecte. And I respect that. Je suis sincèrement très célèbre. Come and we just celebrate. Et parce que j'ai besoin de reconnaître quand même que Dieu fait quelque chose. Come, I want to recognize that God is doing something. Je suis fier de voir ce que le Seigneur est en train de bâtir. And we are proud to see what the Lord is doing. Très bon orateur. And I know it's a very good preacher. Et un homme de Dieu. And a man of God. Mais s'il est bon. And if it's good. C'est parce qu'il y a une dame derrière. It's because there is a woman. On va acclamer le Seigneur pour moi. On va acclamer. The leader of the concept. Et nous voulons le recevoir avec beaucoup d'affection. We want to receive him with a lot of love. Can you stand up? La pauvre bien sur vous. As a glory to God. Glory to God. Amen. Amen.
Donc, juste, je veux juste dire à ton voisin qu'aujourd'hui c'est un rendez-vous divin. Amen. J'ai l'impression que tu n'as pas bien entendu. Est-ce que tu veux lui dire qu'aujourd'hui c'est un rendez-vous divin? Peut-être que son voisin ne comprend pas bien, tourne-toi vers l'autre. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous divin. It's a divine appointment. Amen. Amen. Je dis le nom du Seigneur, la grâce, l'opportunité, et de me faire de me retrouver parmi mes frères et sœurs, ici à l'église Cité de Gloire. Je vous remercie à l'église Joseph du Seigneur, l'apôtre. Papi Moutita, ainsi que son épouse, Pastor Rebecca, merci pour votre amour et merci pour l'adoration. Je me sens très heureux, je ne suis pas venu seul. Comme on l'a présenté, mon épouse, mon ami, tu es célèbre. Je suis aussi venu avec mes trois enfants, Elia, et Nathan. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ils sont quelque part là-bas. Bénissons le Seigneur. Alors, ma femme chante aussi. Ma femme est chez Elle a sorti d'ailleurs un album qu'on a amené à beaucoup d'exemplaires. Un album. Dans le thème, c'est ta grâce qui me sauve. Je vous ai quelques exemplaires derrière là-bas. J'ai de profiter pour amener aussi mon dernier bouquin intitulé La séduction spirituelle. Et les sujets sont séduits, tu vois, de les tests pour le temps de test. Oui, parce que le temps de l'année de sortir. Déjà, c'est ce soir. Waouh, wow, c'est fort. Mais voilà. Que Dieu vous bénisse. Avec quoi, je vais laisser juste quelques minutes. Thank you.
présence est parmi nous. La gloire descend comme ça. Merci pour cette nouvelle saison. Merci pour ce nouveau temps. Et merci pour cette nouvelle dimension à laquelle tu nous fais entrer. Seigneur, merci pour la parole qui vient depuis le ciel. Une parole que nous n'avons pas pensée. Une parole qui n'est pas vue, qui n'est pas le fruit de nos raisonnements. Mais une parole qui est le résultat de la révélation de Dieu par rapport à ce que tu as décidé d'accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Bénis ces instants. Ma personne s'efface, que je prie afin que tu croisses. Je prie que mot après mot, phrase après phrase, que ton esprit prenne le contrôle, que ton esprit parle. Donc nous laissons ton esprit, Père, pour accomplir ta volonté et atteindre tes buts et tes objectifs. Seigneur, je soumets toute pensée tapis par l'obéissance de ta parole et que le règne de Dieu soit manifeste. Au nom de Jésus, nous attendons le Seigneur. Se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé.
Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Amen. Amen. Pouvez prendre place. Merci. Nous sommes ici dans un temps précis. We are here in a precise time. Le temps où le Fils de Dieu promis, the promised Son of God, de par Dieu et de par tous les prophètes, by God and all the prophets, devait venir dans le monde, to come in the world, et surtout devait être manifesté, and to be manifested. Je vais le dire à quelqu'un. I want to tell someone. Il y a des choses que Dieu a déjà prévues. Something that God has promised. Ils sont déjà là. That are already there. Mais ça prend juste un temps précis. But they are waiting just a precise time. Pour se manifester. To get manifested. Pour venir à la manifestation. You get manifested. Une chose qui est manifestée. Something that is manifested. Tout le monde peut voir. Everyone can see. Mais les choses qui ne sont pas manifestées. Something that is not manifested. Elles sont encore cachées. They are hidden. Alors avant que Dieu le manifeste quelque chose. Before God manifests something. Il prend le temps d'abord de cacher. Il prend le temps de préparer dans le secret. Afin que quand le moment viendra, et que nous allons présenter à la part de l'humanité, le fonctionnement de Dieu n'est pas pareil que le fonctionnement des hommes. L'homme croit par rapport à ce qu'il voit. Mais quand Dieu commence à travailler, il travaille dans le monde spirituel. Il travaille dans le monde invisible. Il travaille dans le monde secret, dans le secret. In the secret. Et ensuite, il vient se manifester. He came to manifest toujours le Fils de Dieu devait venir. The Son of God has come. Et le Messie, celui qu'on appelle le Messie. The one we call the Messiah. Mais la parole de Dieu nous dit, the word of God says, avant que le Messie ne vienne, before the Messiah came, il fallait que son chemin soit préparé. Something had to be prepared. Et Esaïe a prophétisé 8 siècles avant. Isaiah prophesied before. Malachie également a prophétisé. Concernant la venue de celui qu'on appelle la voix de celui qui crie dans le monde. Il est question de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était venu dans le monde avec une mission, c'est de préparer le chemin pour que le Messie vienne. Celui que Israël attendait. La délivrance d'Israël. Il y aura la délivrance de tous les peuples. La gloire d'Israël, the glory of Israel, et également la lumière des nations, and the light of the nations. Mais quand Jean-Baptiste est né, personne ne savait, no one knew, des choses qui étaient en train de se passer. That it was happening. Je disais que c'est un message prophétique. It's a prophetic message. Quand Dieu commence à travailler, when God starts to work, personne ne sait que Dieu a commencé. No one knows that God mais is Dieu working. Est en train de travailler. God is working. Je suis venu dire à l'église, il te le gloire, Dieu a commencé de travailler. Et très bientôt, vous allez voir la manifestation. Ok, allons-y un peu doucement. Jean-Baptiste a été conçu dans le sein d'Élisabeth. 6 mois après, Dieu va visiter Marie. God visited Marie. Et quand Marie vient rendre visite à Élisabeth, la Bible dit au son de sa voix, with his voice, only his voice, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Pouvez-vous vous imaginer? Pouvez-vous imaginer? Can you imagine? Un bébé, a baby, dans le ventre de Marie, in Marie's au son de la voix de Marie, only a voice. La Élisabeth a rempli du Saint-Esprit. The Holy Spirit. Je vais te dire, Jésus-Christ n'est pas n'importe quel bébé. Jésus-Christ était Dieu et il est homme. Man and the God. La Bible dit en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Lorsqu'il a rencontré Élisabeth, Jésus était encore un fœtus. Il était encore un bébé. Il n'avait même pas un mois. Mais au sol de ma vie, Élisabeth sent quelque chose. Le Saint-Esprit vient. Et le Saint-Esprit remplit également Jean-Baptiste. Parce que l'ange avait dit ceci. Il ne boira pas de vin ni de liqueur. Parce qu'il serait rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. À quel moment Jean a été rempli du Saint-Esprit? Le jour où Marie est venue saluer Élisabeth. Je vais te dire.
pendant 30 ans. He was hidden in that il a grandi dans le désert. He grew up in the desert. Jusqu'au jour où la parole de Dieu lui fut révélée. Et Jean-Baptiste se lève. Et Jean-Baptiste se positionne. Se lève himself. Où ça? Dans le désert. In the desert. Prêt, regardez un peu. Listen. Merci Seigneur pour tout ce que Dieu fait aujourd'hui. Thank you for everything. Pour la technologie, la radio, les médias. Mais je veux le dire à quelqu'un. I want to tell you. La puissance du Saint-Esprit. The power of the Holy Spirit. Est supérieure aux médias. La puissance du Saint-Esprit. Est plus que la télévision. Est plus que la radio. Est plus qu'Internet. Est plus que Facebook. Est plus que Facebook. À cette époque, il n'y avait pas tout ça. Dieu l'appelle. Dieu le place quelque part. Comme Dieu a appelé les visiteurs de droite. Dieu l'a planté ici. Pendant que Jean était là, dans le désert, à côté du Jourdain, il était en train juste de prêcher. Il parlait. Mais il ne parlait pas comme n'importe quel homme. Il parlait sous l'onction du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit saisissait les gens dans le profond de Dieu. Et les gens fermaient jusqu'à la parole. Tu veux lui dire, le temps où Dieu veut faire croître les choses arrivent. Dieu t'a amené les hommes de loin, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et ces personnes viennent voir, entendre le message de Dieu. To listen to the word of God. Parce que Dieu n'a plus de temps à perdre. Jésus revient bientôt. Il faut que le message du royaume soit pressé dans le monde entier. Je vais te dire que Dieu t'a choisi. Je vais te dire que Dieu t'appelle. Et les gens venaient. Il n'avait qu'un seul message. Il n'a fait aucun miracle. Les gens ne viennent pas parce qu'il y a des miracles. Mais les gens viennent parce que le Saint-Esprit est là et il les attire. Oh, je vais te dire, ne sois pas paniqué parce que les autres font des miracles. Chacun a reçu une part de la part de Dieu. Chacun a reçu, il y a un appel de la part de Dieu. Le problème, c'est de faire exactement ce que Dieu te demande. Il était dans le désert. Il prêchait. Les gens venaient. Les gens étaient touchés. Les religieux étaient touchés. Et un jour, le Fils de Dieu vient. J'étais estomaqué. I was shocked. De voir que Jésus-Christ lui-même vient. Tu sais la Jésus Christ qui est baptême. Tout dépend de ce qu'il est venu faire. What did he come? Quand Jean le regarde, Jean ne l'avait jamais vu. Il était retour de tête. Même si j'étais cousin. Il est venu de la tête. Jean a grandi dans le désert. John grew up in the desert. Et Jésus a grandi dans la maison de Joseph et de Marie. Jesus grew up in the house. Et Jésus était un fils de charpentier. Il était lui-même charpentier. He was a carpenter too. Vous comprenez un peu? Mais lorsque Jean le regarde, Jean comprend que c'est lui. Quand vous avez le Saint-Esprit, when you have the Holy Spirit, vous faites discerner ceux qui ont le Saint-Esprit. Lorsque tu as l'Esprit, when you have the Spirit, tu peux te connecter à ceux qui ont l'Esprit. Connecte-toi à ceux qui ont le même signe que toi. Ceux qui ont le sang de Dieu sont toi. Et quand il a vu, when he saw, il dit voici l'agneau de Dieu. So, behold, the Lamb of God, le péché du monde. Et Jean disait à ces gens, moi je vous baptise d'eau pour vous ramener à la repentance. Mais celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et quand il voit Jésus, il dit à Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais toi tu viens à moi. Jean refusait de baptiser Jésus. Mais laissez-moi vous dire, si vous voulez que Dieu vous amène dans votre destinée, vous devez vous soumettre au ministère des autres. Beaucoup de gens n'arrivent pas là où je les amène parce qu'ils refusent la soumission. Jésus s'est soumis au ministère de Jean. Mais en se soumettant au ministère de Jean, c'était également la fin du ministère de Jean. Lui-même, il a dit, il faut que je diminue et que Jésus croisse. Mais Jésus vient. En entrant, il était
connu. But he was alone. Je peux dire Jésus-Christ était comme une cité de gloire. Parce que la Bible dit Christ en nous, Christ in us, c'est l'espérance de la gloire. La gloire était là. The glory was pendant un temps. For a time. Mais cette gloire était cachée. That glory was les gens ne l'ont pas vue. Mais au moment de la manifestation, Dieu lui-même a organisé les choses. Dieu lui-même est le metteur en scène des choses. Et quand Jean accepte de baptiser Jésus, regardez ce qui va se passer. Jésus n'avait pas besoin du baptême. Mais le baptême pour Jésus était prophétique. Il a parlé de sa mort et de sa résurrection. Il n'était pas un pécheur. En lui, il n'avait point de péché. Vous comprenez un peu? Est-ce que tout le monde le suit? Mais il était venu pour accomplir quelque chose de prophétique. Il accomplir something, la prophétique. Et quand Jean le baptise, il le plonge dans l'eau, il meurt de la mort, et quand il sort de l'eau, Jésus-Christ commence à prier. Il commence à prier. Venez demain pour le temps de prière. Je dis venez demain pour le temps de prière. Jésus commence à prier. Laisse-moi te dire, tu ne verras pas la suite de ta destinée sans la prière. Le futur de la prédication ce matin, c'est ton ciel est ouvert. Tu ne m'as pas compris. Je dis ton ciel est ouvert. As he was praying. Regarde ton voisin, dis-lui tu dois prier. Regarde l'autre voisin, dis-lui tu dois prier. You have to pray. Dis-lui tu dois prier. You have to pray. Quand tu pries, as you pray, tu t'oublies. Okay, quand tu pries, when you pray, tu rentres dans la dimension spirituelle. Quand tu pries, when you pray, tu amènes les choses du ciel sur la terre. Oh, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ au ciel. Maintenant la prière qui est une prière de foi, c'est la main qui va prendre les choses pour les amener. A prayer of faith will bring things from heaven. Jésus savait que sans la prière, il n'aurait jamais reçu le Saint-Esprit. We will never receive the Holy Spirit. Il n'aurait jamais reçu la plus grande bénédiction de l'humanité. Never receive the best blessing of humanity. Je choque certainement quelqu'un. I'm maybe shocking someone. Quelqu'un pensait que pour être béni, il faut avoir le mariage. Maybe someone was thinking that to be blessed has to get married. Le mariage, ce n'est pas d'avoir une bénédiction. L'argent, ce n'est pas d'avoir une bénédiction. Les voitures, les maisons, ce ne sont pas des bénédictions. D'accord. La véritable bénédiction, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Tu sais pourquoi? Tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Mais il n'y a rien. La Bible dit la prière agit sans résistance. The Russian
à une grande efficacité. Je vois quelqu'un qui a commencé à prier. Les choses commencent à changer. Je vois les choses commencent à changer. Jésus est sorti de l'eau. Jesus came out of the water. Le ciel s'est ouvert. Heaven opened. Quand le ciel s'ouvre, when the heavens open, il y a des choses qui commencent à se manifester. To manifest. Tu ne peux pas être manifesté tant que le ciel est fermé. If you cannot come to manifest when the heaven is closed. Je le répète. Les choses dans ta vie ne peuvent pas se manifester. If you don't have, cannot come. Tant que le ciel est ouvert. When the heavens is closed. Dans ta vie. In your life. Dans tes projets. In your projects. Dans ta famille. In your family. Dans ton mariage. Dans la vie de tes enfants, si tu veux voir la main de Dieu, if you see the hand of God, tu dois être sous un ciel ouvert. Alléluia. 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 Dis-le-lui, je veux voir mon ciel ouvert. Dis-le-lui, je veux voir mon ciel ouvert. Il sera. Le ciel s'ouvre. Dans la Bible, in the Bible, il y a des gens qui ont vécu le, qui ont vu le ciel ouvert. Some people saw the heaven open. Regardez d'abord avec moi dans le livre de Ézéchiel. Let's see in the book of Ezekiel. Ézéchiel au chapitre premier. The first chapter of Ezekiel. Regardez ce qui s'est passé juste dans cette première. Ézéchiel 1, verset 1. Ézéchiel chapitre 1. La Bible dit, la 30e année, le 7e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve Kédar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. C'est-à-dire quand le ciel s'ouvre, heaven is open, tu vas commencer à avoir des visions. We can see visions. Quand je parle des visions divines, when I see the divine vision, je parle de Dieu. I'm talking about God's will. Je ne parle pas de la vision du monde. I'm not talking about physical visions. Je parle de la vision de Dieu. I'm talking about the vision of God. Je parle de la parole prophétique. I'm talking about the prophetic word. Quand tu vois la vision de Dieu, when you see the vision of God, la Bible dit écrit là. The Bible says write la vision. Write it down. Write it down. Et commence à la lire couramment. And start to read it. Oh, car c'est une prophétie. Because it's a prophecy. Dont le temps est déjà fixé. When the time is already fixed. Laisse-moi te dire. Let me tell you. La prophétie de ta vie a des pieds. La prophétie de ta vie a des pieds. Dans un terme, bien sûr, pas des oreilles.
Tu es compliqué. Compliqué. Parce qu'en même temps, tu es assis. Because at the same time you are avec Jésus, là-bas au ciel. En même temps, tu marches sur la terre. At the same time you are walking on earth. Ma vie, my life, ce n'est pas ce que je vis aujourd'hui. It's not what I'm living today. La réalité n'est pas la vérité de ta vie. Je te donne l'intelligence du ciel. Je te donne l'intelligence du ciel.
puissance. The one that is les autorités. Bien-aimé. Aujourd'hui en tant qu'église, il est difficile à guérir un bâtiment. Today, a church, it's difficult to get parce que les autorités s'élèvent avec des lois bizarres. Mais Dieu m'a dit parce que le ciel s'ouvre. Dieu cherche lui-même un chemin. Dieu vous fait procéder ce qui est à vous. J'ai vu, I saw. Vous êtes dans une très 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 grande et belle salle. Et Dieu m'a dit, c'est la faveur. C'est la faveur. Les montagnes. Les autorités. Dieu lui-même va les éprouver. Dieu lui-même va les secouer. Dieu lui-même va les troubler. Et je veux te dire, ce qui t'appartient est entre les mains de tes ennemis. Tu n'as pas bien compris. Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous allez entrer en Canaan, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est-à-dire, je t'interdis de manger des miettes. Je t'interdis à partir de maintenant de continuer à rester dans la médocrité. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Tu peux commencer là où tu es, mais ne t'arrête pas là où tu es. Ils ont construit leur maison, ils ont habité, Dieu les a chassés, et Dieu t'a pour toi, encore plus. Qui le croit? Si vous voulez encore, moi je crois. Moi je crois. Et là, quand on va dire, moi je crois. Moi je crois. Moi je crois. Dieu va les branler. D'autres richesses. Dieu va les branler. Donc Michel, il donne aux pécheurs le son de travailler. Il donnait à celui qui est agréable à Dieu. Mais to the one who is righteous. Les païens, le fion là. En fait, laissez-moi vous dire, pour que Jésus fuit en Égypte, il a une richesse. Ce sont les mages. Les mages, ce sont des magiciens. Les mages sont des magiciens. Des affaires de ils étaient des gens très intelligents qui ont enseigné les affaires. Mais quand ils ont vu que Jésus était né quelque part, ils sont venus avec plusieurs serments remplis de richesses pour donner à Jésus. Mais je venais de dire, si Jésus vit en toi, si Jésus est né en toi, ces gens avec leurs richesses viendront. Comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom. Lorsque le ciel s'ouvre, when the heavens open, Dieu, God, va aussi susciter des ennemis. Will bring your enemies. Laisse-moi te dire. Let me tell you. Même si tu es quelqu'un de très bon, de très gentil, even if you are very kind, very good, que tu le veuilles ou non, tu auras des ennemis. If you want it or not, you have enemies. Tu vois des gens qui viennent pour te décourager, pour te. You see people coming to discourage you. Pour dire du mal de toi. Alors pourquoi passes-tu tout ton temps à regarder ce que les gens disent sur toi? Don't spend your time seeing what they say. Même Dieu a un ennemi. Even God has an enemy. Satan. Est-ce que tu es plus que Dieu? Non. Mais la Bible dit ceci. Quand tu as tes ennemis, on peut commence à danser. Parce que la saison de faveur a commencé. Il te change. We change. Tu n'es plus une personne ordinaire. We're not an ordinary.
vide a changé sa vie en un homme extraordinaire. Lorsque tu partiras, tu vas croiser une garnison de prophètes. You will meet some prophets. L'esprit du Seigneur sera sur toi. L'esprit de Dieu va commencer à prophétiser. Tu vas commencer à changer à lui. Au nom de Saint-Esprit, amener la vie derrière de la mort. Les conquérants,
Someone new. Tu as une boule dans le sein et tu es convaincu. You have something on your breast. You are worried. You are running out of time. You can come quickly. The grace of God is